mal entré. Le centre de formation Euroteam Capelle puise son originalité dans plus de 70 ans de passion et d'expertise dans les métiers du convoi exceptionnel. C'est véritablement de cette expérience métier et de l'envie de faire partager notre passion au quotidien qu'est née l'école du transport exceptionnel. Aujourd'hui, nous sommes le seul centre en Europe à proposer une formation qui concerne l'ensemble des maillons de la chaîne du convoi exceptionnel. Depuis le maillon guidage, au travers des formations FIG Moto, jusqu'au maillon de protection avec les formations voiture pilote, en passant bien sûr par le maillon central, chef de convoi conducteur routier, qui vise à former des experts de la conduite hors gabarit et de la réglementation qui, on le sait, est très particulière dans le secteur. La professionnalisation du métier est d'ailleurs un enjeu majeur pour tous les acteurs du secteur. Euroteam travaille actuellement sur la création d'un nouveau titre professionnel en ce sens. Une formation diplômante dont le but est de faire reconnaître les compétences à la fois théoriques et pratiques du conducteur routier. Pour conclure, j'ai envie de vous dire que choisir une formation Euroteam aujourd'hui, c'est choisir l'école des passions pour les métiers du convoi et devenir exceptionnel. Ce qui est intéressant dans le convoi exceptionnel, on est une équipe, on est nombreux à travailler là-dessus. Et si l'équipe est bien soudée, on arrive à faire des miracles. Moi qui n'avais jamais conduit 4 heures de conduite, c'est que à la base on a peur. Un camion c'est long, c'est large, on se dit on ne va pas y arriver, etc. On a eu cette chance avec ces formateurs de nous apprendre et de cette passion du métier du convoi exceptionnel. Parce qu'après, à un moment donné, ça devient une passion. Oui, moi j'en connais pas des filles dans le convoi, je sais qu'il y en a. Et moi je trouve que c'est super. J'encourage les autres filles à faire pareil, hein, parce que je pense qu'il y a beaucoup de filles qui ont ça dans un coin de leur tête. Je suis surprise d'être aussi bien accueillie par les autres conducteurs. On a des jeunes qui arrivent avec 3 heures de volant, ils ont juste le permis, 3 ou 4 heures. Et on a des conducteurs qui ont 50 et plus, 55 ans, on a eu, et qui veulent pour les 5 dernières années se faire plaisir, conduire des choses un peu extraordinaire. Donc on a tous les profils, mais vraiment tous les profils.